Слава Россию! Nous organisons les World Series à Moscou pour la première fois sur un circuit tout neuf. Very proud and very excited to open such a track. It's like a dream to host World Series of Renault here, to host such stars of motorsport, to see everything operating. En tant qu'ambassadeur de la marque, je suis très fier d'accompagner Renault sur ce premier événement international de haut niveau en Russie. Nous avons eu la chance d'avoir Vitaly Petrov, pilote de Formula One, qui est un véritable star ici en Russie. When I was kid, I wanted to drive Formula One in my own country, and finally I can do that. Il y a aussi 6 pilotes de Formule 3 litres 5 et Formule 2 litres qui courent dans le championnat. Nous avons monté une exposition de notre gamme en centre d'essai qui a attiré énormément d'attention. Nous avons également invité nos clients importants, nos partenaires, nos concessionnaires dans une zone spécialement aménagée. Si le marché russe est un marché important et en forte croissance pour le secteur automobile, donc important pour Renault, il l'est aussi pour Total et donc la marque Elf. Donc c'est pour ça que nous nous réjouissons d'être avec Renault pour ces World Series cette année, pour promouvoir nos produits Elf, nos lubrifiants Elf, sur ce marché. Une des raisons principales des engagements de Michelin en compétition, c'est d'accumuler des informations à travers tous les circuits du monde entier. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'accompagner Renault pour la première fois sur ce circuit et de tester nos solutions pneumatiques avec des formules aussi intéressantes que la 3,5 litres par exemple. On voit bien que c'est un événement populaire qui permet de communiquer non seulement sur la notoriété de la marque Renault, mais aussi sur ses valeurs, sur ses succès. Je considère que ce week-end, on a fait vraiment un carton plein.